Ben voilà, on a fait ce jeu, donc on a appelé ça la roue de l'infortune, pour faire prendre conscience aux gens que ben voilà, on imagine que les réfugiés arrivent en masse dans nos pays, et en réalité, eh bien, ce n'est qu'une infime proportion des gens qui sont réfugiés qui arrivent dans nos pays, moins de 5%. Et tandis qu'il y a plus de 66% des personnes qui restent bloquées dans leur propre pays, et une autre partie qui vont dans des pays limitrophes. Donc par exemple, pour les Syriens qui se retrouvent coincés en Turquie, au Liban. Et donc quand on dit dans nos pays qu'on porte toute la misère du monde, c'est pas vrai du tout. On n'assume pas toute cette réalité des réfugiés. Or, il y a une convention qui existe, internationale, la Convention des droits de l'homme, la Convention de Genève, qui dit que, ben, effectivement, toute personne qui est persécutée pour ce qu'elle est, ou alors il y a aussi d'autres lois qui font qu'une personne qui est dans un pays dans lequel elle est en danger à cause de la guerre permanente, eh bien, elle peut demander d'être réfugiée dans un autre pays. Et donc, c'est un devoir de ces pays de pouvoir accueillir ces personnes-là. Et si vous aviez un conseil à donner aux dirigeants de ce monde, que diriez-vous ? Je travaille pour le service public, donc le CPS, Centre public d'action sociale. Donc, ben, à ce titre-là, je peux difficilement m'engager politiquement là, devant ce micro. Et donc, c'est en tant que citoyen que je pourrais réagir. Mais donc ici, aujourd'hui, c'est même en tant que service public qu'on est là, parce qu'on est là pour donner des chiffres objectifs. Les chiffres que je vous ai donnés, c'est les chiffres du Haut Commissariat aux réfugiés, les pourcentages. Nous, je vous donne les pourcentages. Après, les gens en pensent ce qu'ils veulent. Et donc, s'ils veulent agir et faire pression sur les politiques pour que les choses changent, ils le font. Nous, on donne l'information objective. Et ensuite, ben, je pense qu'une fois les gens sensibilisés à ces réalités objectives, je crois que tout être humain qui se respecte, c'est en son âme et conscience ce qu'il doit faire.